Salut à vous tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le journal de la bande dessinée. Nous avons rendez-vous avec un géant de la bande dessinée, si je vous dis Christian Godard. Et oui, c'est à lui qu'on doit Martin Milan, La Jungle en folie, Le Vagabond de l'Inde et toutes ces belles aventures en bande dessinée. Nous avons un rendez-vous un peu spécial parce que l'interview était faite par téléphone. Alors, vous êtes prêts? On ferme les yeux, on se concentre sur la voix. Et oui, nous avons rendez-vous maintenant avec Monsieur Christian Godard. Christian Godard? Monsieur Paul Gauguin? Oui. Eh bien, Christian Godard, oui. Alors, je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui, Monsieur Godard, parce qu'en fait, pour moi, vous êtes un des grands géants de la bande dessinée. Voilà. Mais c'est vrai que c'est génial parce que vous avez commencé en première publication, si je ne me trompe pas, 1954, avec les aventures de Pip et Jock. Et là, vous avez même une autre signature, vous signez M. Oui. Et vous avez travaillé aussi avec René Goscinny, en reprise, c'était Lily Mannequin. Oui, c'est exact, oui, mmh. Oui. Goscinny n'était pas encore devenu Goscinny à cette époque-là. Et à cette époque-là, j'avais une sorte de manie que j'ai bien perdue depuis longtemps, qui était celle... d'aller partout pour voir ce qui s'y passait. Et je poussais à peu près n'importe quelle porte. Et un jour, effectivement, j'ai poussé une porte, autant que je me souvienne, avenue de l'Opéra, si je ne me trompe pas, et derrière, il y avait un petit monsieur, très charmant, qui m'a reçu dans son bureau, qui m'a expliqué qu'il avait travaillé surtout en Belgique. Il avait été obligé de venir s'installer à Paris et il avait l'ambition de faire des choses. J'avais commencé à cette époque-là, moi,
quand j'ai rencontré Goscinny, j'avais déjà commencé à travailler pour le journal de Vaillant, dans lequel je faisais des histoires complètes. Et je lui ai proposé tout de suite de me les écrire. Il a accepté instantanément et je l'ai présenté à Vaillant. C'était une époque où on payait pas cher, hein. Oui. Et quand Goscinny a été présenté aux deux rédacteurs en chef de l'époque, autant que je me souvienne, la planche m'était payée 50 francs étaient attribués au scénario et 100 francs au dessin. Et Goscinny, à cette époque lointaine, qui remonte, j'ai l'impression à ce qui se passait sur une autre planète, a accepté 50 francs pour, par planche oui. de scénario, et il m'a écrit quelques planches de Pepsi pour Vaillant. Ça a commencé comme ça, lui et moi. Ça n'a pas fini de la même manière. Entre-temps, le journal de pilote a été créé. Oui. Et très naturellement, je me retrouve en face de deux rédacteurs en chef. Goscinny d'un côté, Jean-Michel Charlier de l'autre, et effectivement, je commence à essayer de travailler sérieusement. Ça veut dire mettre sur pied un ou plusieurs personnages récurrents. C'était donc Norbert et Carrie. Je n'ai pas commencé par là, du reste. J'ai créé Norbert et Carrie un peu plus tard, après avoir fait différentes choses sans intérêt, sans grand intérêt, comme l'agence a créé Émile, par exemple. Et Norbert et Carrie, je commence effectivement à essayer de raconter et de dessiner, trouver quelque chose qui ressemble à une série d'humour et d'aventure qui se passe en Polynésie, et de trouver un style, et que je trouverai du reste à la longue, et de le développer. Les choses se sont décidées comme ça. J'ai commencé à travailler avec mon scénariste du début, Goscinny, avant même que Pilote existe. J'ai pu, en quelque sorte, développer avec lui une sorte de possibilité de travail, en quelque sorte, une méthode de travail. Qui nous allait très bien tous les deux, jusqu'à ce qu'il me rende ma liberté totale. Et on a pu travailler comme ça pendant près de 15 ans, dans Pilote, jusqu'à cette période où c'était apparu la Révolution, où tout était fermé partout, c'était mai 68, tous les commerces étaient fermés, toutes les usines étaient occupées, et bien entendu, le journal ne paraissait plus. Et ça nous a conduit à cette fameuse réunion d'auteurs dans une brasserie. On s'était téléphoné les uns et les autres, et on souhaitait savoir ce qui allait se passer parce que le journal ne paraissait plus.
Et ça nous faisait un gros souci parce que on gagnait sa vie grâce à lui. Et on se demandait s'il allait reparaître. Jamais. Et je crois qu'il en avait été effectivement question. Et au bout de 3 semaines, donc, on se réunit à une dix-quinzaine d'auteurs qui avaient réussi à venir à pied à proximité de la station Pyramide. Et on souhaitait voir les deux rédacteurs en chef. Et il n'y en a qu'un seul qui est venu. Charlier était absent, je ne me souviens plus pour quelle raison. Et il n'y avait plus de transport, il n'y avait aucun moyen pour se déplacer, etc., etc. Et donc on s'est retrouvé dans cette brasserie. Et donc on se retrouve à une quinzaine. Et avec Bossini, co-rédacteur en chef, l'autre n'avait pas pu venir, Charlier n'avait pas pu se déplacer. Et bien entendu, tous les regards se tournent vers Bossini, qui était censé, qui avait des chances, lui, de savoir si le journal allait reparaître ou pas. Et c'était réellement la seule question qui nous importait, parce que ça faisait 3 semaines qu'on gagnait plus de vie, bien entendu, et donc on lui posait la question de savoir si le journal allait reparaître. Lui semblait le croire, sans certitude. Et chacun y a été de ces questions qui sont parties un peu dans tous les sens, sans aucune agressivité. Et on s'est séparés, je ne sais pas, peut-être 2 heures après, pas plus avancés qu'avant, parce que personne n'en savait rien. Si le journal allait reparaître ou pas. Et le lendemain, on a appris que Goscinny avait donné sa démission, Oui. qu'il quittait le journal, alors qu'à cette époque, lui, chez Dargaud, n'était pas du tout dans la même situation que nous, simples auteurs. Sa situation était particulièrement, comment pourrait-on dire, arrivée à un point culminant, si je puis dire. On parlait, il était question de signer de mettre en chantier, ou il avait peut-être déjà mis en chantier premier film d'Astérix, etc., etc. Et donc on apprend avec une surprise pour le moins inattendue qu'il a donné sa démission et qu'il s'en va. Ça me fait rire avec le recul, ça me fait rire agressé par les auteurs de Pilote qui n'avaient pas les moyens d'agresser quoi que ce soit. Enfin, bref. Et je lui téléphone, je l'ai au téléphone, il me dit, je m'en vais. Alors, je lui demande s'il veut bien me recevoir. Il me dit, oui, je me rends à Pilote, mais il était encore là. Et je lui dis, mais pourquoi vous partez? Et il me dit, parce que tous les dessinateurs sont des cons. Je ne veux plus les voir. Je suis parti sur cette déclaration, tous les dessinateurs sont des cons. Complètement catastrophé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe?
téléphone à Charlie qui me dit « Rassure-toi, rassure-toi, c'est pas comme ça que ça va se passer. » Et j'ai appris quelques jours après qu'il a été nommé directeur général de la rédaction, ce qui est seul et unique rédacteur en chef et directeur. Je lui ai encore rendu visite, il a accepté. Je lui ai rendu visite dans son nouveau bureau. Et donc, je lui demande qu'il me reçoive. Il me reçoit dans son nouveau bureau, à l'étage au-dessus, au-dessus de l'étage habituel, celui où on se réunissait tous pour élaborer le journal toutes les semaines. Et il me dit donc qu'il va reprendre le journal en main et qu'il va en faire quelque chose de différent. Ça me fait froid dans le dos, quelque chose de différent. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. Et il me dit, à partir de maintenant, je vous demande de me faire 2 pages par semaine. J'en fais autant avec Gottlieb. Et vous changez de sujet à chaque semaine. Et vous venez me proposer un sujet, je l'accepte ou pas. Alors, je vous rappelle que je faisais à cette époque-là Norbert et Karine, c'est à laquelle je tenais beaucoup. Et le calcul pour moi était très facile à faire. Je pouvais faire 2 planches par semaine, mais pas 4. Ça voulait dire, en quelque sorte, que tuer Norbert et Karine, ça faisait pas du tout mes affaires. Parce que moi, j'avais fait beaucoup, beaucoup de progrès avec Norbert et Karine, qui était devenue une série qui a laissé encore aujourd'hui des traces dont on parle souvent. Et j'avais bel et bien l'intention de continuer Norbert et Karine dans la voie qui me semblait toute tracée. Et faire 2 planches par semaine supplémentaires était impensable. J'acceptais de faire 2 planches de tous les sujets possibles et imaginables, sans esprit de suite, et je tuais ma série, ou bien je n'acceptais pas, et il fallait que je trouve un autre endroit, très probablement, pour la publier. Ça m'a laissé, en quelque sorte, assez perplexe pendant un moment. Pendant quelques mois, je suis venu lui proposer 2 planches sur des sujets très différents. Parfois, il me disait oui, parfois, il me disait non. Et j'ai fini par comprendre que je le gênais plutôt qu'autre chose. Et j'ai décidé de partir, mais on part pas comme ça, d'un journal auquel on tient, dans lequel on a débuté, et auquel on a participé longuement pour l'instaurer, pour l'installer, pour être ce qu'il est devenu. Et j'ai beaucoup hésité, bien entendu. Comment pourrait-on dire le hasard, enfin c'est pas le hasard, mais en tous les cas ça s'est présenté comme le hasard, a fait que lors d'une réunion à laquelle Greg participait, on a été prendre un pont ensemble dans un café proche, on a pris un coup au comptoir, parce qu'il n'y avait pas de place de libre. Et Greg s'est tourné vers moi, c'était un ami, on avait un peu fait connaissance et plaisanté ensemble, et il me dit, mais bon, il était le rédacteur en chef
Alors, c'était la dernière question à laquelle je m'attendais, alors qu'on venait de quitter le pilote. Je lui dis sur le même ton, parce que personne ne me demande. Et il dit, je le demande. Je lui dis, j'arrive. Et c'est ainsi que je suis passé de pilote à Totem, grâce à Greg, qui est devenu plus qu'un ami, je dirais plus qu'un ami, un ange gardien, avec lequel j'ai noué des relations plus qu'amicales. C'était un homme fabuleux. Je l'aimais beaucoup, vraiment. Et pendant tout le temps que j'ai travaillé dans son journal, Tintin, il m'a laissé une liberté totale, absolue. Absolue à un point tel que, par exemple, je ne me souviens plus très bien ce que j'avais déclaré quelque part dans un courrier ou quelque chose. Je me souviens plus, qui avait provoqué une avalanche de lettres de lecteurs. Et dans le journal, il y avait 2 ou 3 pages qui étaient réservées à la publication. Un nombre assez considérable de lecteurs m'était tombé sur le poil, mais parmi ces lettres, certaines reprochaient la tristesse de l'histoire. Et m'avait mis en accusation formelle en déclarant que ce n'était pas la place d'un journal comme Tintin de raconter des histoires comme celle-là, puisque c'est une histoire à la fin de laquelle le personnage qui est si sympathique meurt. Alors, Greg m'a dit, au lieu de m'engueuler, il m'a dit, tu as une réponse, tu as un droit de réponse. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux leur répondre? Je lui ai répondu à lui, mais bien sûr que je veux leur répondre. Et je veux leur répondre, mais vertement. Parce que un journal, même s'il est destiné à amuser la jeunesse, il n'est pas nécessairement confiné à cette manière de faire, et il y a lieu de faire savoir que ça existe d'abord, on ne peut rien faire avec, et dans la vie courante, tout le monde est confronté à la mort de quelqu'un, d'un proche, d'un parent, de n'importe qui, d'un ami, et donc faire mention de la mort dans une histoire de bande dessinée, je ne voyais pas pourquoi c'était interdit. Donc je leur ai répondu vertement et Greg m'a laissé toute la place que je lui demandais pour leur dire ce que je pensais. Et c'est une histoire que je raconte souvent pour dire qui était Greg. C'était quelqu'un auquel je pense souvent, que je regrette beaucoup, que je regrette au-delà de la normale, qui a été pour moi toujours plus qu'un ami, tout le temps, toute ma vie. Au point que, quand sa femme, à la fin de,
après que Denis soit parti de son côté, parti de l'autre côté d'où on vit. Hein. Oui. Et j'avais à l'époque rendez-vous avec le rédacteur en chef du journal et du directeur aussi, du Dargo. J'ai vu arriver Greg en taxi. Je ne l'avais pas vu depuis au moins un an ou deux. Il avait beaucoup changé. Il portait depuis toujours un supplément de cheveux sur le dessus de la tête. Il est descendu d'un taxi avec beaucoup de difficultés. Il avait beaucoup vieilli en l'espace d'un an ou deux. Il avait plus sa perruque. Et il a foncé droit vers nous. Et il a dit, je suis venu pour vous demander que ce soit Christian qui reprenne Achille Talon. C'est la raison pour laquelle, après son décès qui a suivi, j'ai écrit le premier Achille Talon avec Roger Wiedenlocher. Et il est décédé. Et bien entendu, la direction a repris la disponibilité d'Achille Talon pour en faire ce qu'ils en voulaient, avec d'autres auteurs que moi. Mais je garde le souvenir impérissable que Greg m'avait choisi, moi. C'était un très beau cadeau. Et comment ? Ah oui. C'est l'un des plus beaux coups que je n'aurais pu me faire. Oui. Vous avez travaillé avec tous les grands journaux. Alors, justement, pour le journal Tintin, vous avez créé Martin Milan. C'est en fait le pilote du vieux Pélican, qui est un avion de taxi. Pour moi, c'est une série qui est culte, parce que le personnage, il est aussi attachant. On vit avec lui, c'est un justicier. Et c'est vrai que c'est génial, parce que on a votre patte, vous avez un graphisme qui est assez impressionnant. Oui, effectivement, avec Martin Milan, je dirais que j'ai commencé, si je cite bien, en 1967, fin 68, ça va être dans ces eaux-là. J'ai commencé par des histoires complètes, et puis je me suis en quelque sorte fabriqué. J'ai fini de fabriquer mon personnage, et j'ai entamé une suite d'histoires longues. Afin qu'elle soit de nature à faire des albums. Oui. Là, en ce moment, l'intégrale est sortie. Oui, c'est génial, le troisième intégrale est sorti. Le troisième volume va sortir, je crois, ou est sorti. Oui, il vient de sortir, en fait. Il est sorti, oui. Voilà. Et non, c'est le quatrième qui va sortir bientôt, que j'ai reçu. Le quatrième sortira en mai prochain. Ah, super. L'éditrice est Élise Aron. Oui. Et le dossier qui accompagne les quatre volumes s'appelle Patrick Paumer. Ah oui, grand monsieur aussi. Il a fait un travail remarquable, absolument remarquable, et je suis heureux comme tout. Patrick Paumer est un historien de la BD, hein, c'est pas n'importe qui. Je vous avoue que ces quatre volumes me remplissent de joie. Il redonne à Martin Milan, à la fois un ordre chronologique et la possibilité à un lecteur normal
normalement curieux, de le prendre à, au début et dans la foulée, d'aller jusqu'au dernier. C'est remarquable. Voilà. Donc là, je suis très, très, très satisfait de la situation, bien sûr. Et c'est vrai que c'est génial, ça sort aux éditions Lombard, et en même temps, aussi bien pour les, la nouvelle génération qui ne connaissait pas vos albums, je trouve ça c'est génial, parce que c'est du très beau travail, et c'est un grand plaisir qu'on retrouve en fait ces albums en intégrale. Et moi, il y a une série que j'ai beaucoup aimée, où j'ai vraiment adoré, c'est dans la, en fait dans la génération Pif Gadget, c'était le, la Jungle en Folie avec Mick de Lynx. Et moi, je trouvais ça génial, parce qu'en même temps, on retrouvait Joe le Tigre, en fait le tigre était végétarien, et il y avait Gros Rhino, il y avait Papotam le médecin. Et c'est vrai que c'était génial. Et moi, j'adorais en fait cette série. Vraiment, c'est la série qui m'a bercé. En fait, c'est vrai que c'était superbe cet humour. Et là, pour moi, c'est la première série où vous avez utilisé votre talent de scénariste pour l'offrir à un nouveau dessinateur. Oui, oui, bien sûr. Oui, je me suis bien amusé. Avec cette série, je vous signale qu'elle figurera modestement, très modestement, devant le nouveau pif trimestriel qui vient de réapparaître. Ah, super. Il y en a eu un paru, et le deuxième, je crois, paraît à la fin de ce mois. Ah, génial, donc on reverra les nouvelles aventures. Ah, c'est des reprises, ok. Oui. Oui. On peut pas tout faire, bien sûr. Non, non. Mais c'est vrai que la jungle en folie tient un espace particulier dans ma production, où là, je laissais coup à... Comment dire, à ma folie. Mais comment vous faites, vous avez rencontré la fantaisie, si vous voulez. Oui, oui. Mais comment vous avez rencontré Mick de Lynx? Parce que c'est aussi magique, votre série. Ça mérite. Vous avez trouvé une bonne question. Je vous félicite. Vous avez du flair. Alors, si vous voulez que je vous la raconte? Avec plaisir. Alors, Mick de Lynx était un personnage très, très, très particulier. Oui, oui. Il ne faisait pas partie du tout de mes amis. De mes connaissances, oui, mais pas de mes... C'était pas un copain. Il avait commencé à travailler sur des scénarios de Goscinny. Il s'était fâché, je crois, avec lui d'une manière telle. Je crois, autant que je me souvienne, ça s'appelait la forêt de Chênebourg qu'il faisait avec Goscinny. Et puis Goscinny l'avait viré, en clair. Parce que dans son dos, était coutumier, dans son lit, il avait essayé de monter un coup pour en faire des marionnettes qu'il avait été proposé à Dargaud sans en parler à Goscinny. Donc, quand Goscinny avait appris ça, il était tombé en furie absolument qu'il lui fasse un enfant dans le dos, ça lui semblait impensable. En plus, ce qu'il avait été allé à procéder à la gauche, c'était non pas de faire un dessin animé, alors que Goscinny, lui, ne pensait qu'à l'animation, mais à le faire avec des marionnettes. Donc il l'avait proprement proposé
pour la trahison. Je ne sais pas si vous avez bien compris, je raconte mal, parce que je ne m'y attendais pas du tout, parce que vous me questionniez là-dessus. Et donc, il n'avait plus de boulot. Et donc, il vient me trouver, moi. Il vient me trouver dans mon... À cette époque-là, j'habitais au troisième étage, près du parc Monceau. Et j'avais un appartement où je vivais normalement, et puis un grand bureau où on travaillait parfois à trois, plus ou moins coude à coude, avec un certain Dufresne. Ah oui. Qui ne produit plus, je crois. Et puis Luigi, qui lui produit toujours. Oui, notre ami Luigi. Et plus que ça. Et donc, on se trouve dans ce bureau. Et donc, il vient me trouver. La fenêtre était ouverte. Il se pose à côté de la fenêtre ouverte de Dynx. Il me dit, je n'ai plus de travail. Il ne me reste plus qu'à me jeter par la fenêtre. La fenêtre était ouverte, elle était juste dans l'encadrement. Moi, je prends ça au sérieux. Je ne le connaissais pas du tout. Hein. Oui. Donc, je vois quelqu'un qui veut se suicider. Ça me touche au cœur. J'ai dit, mais non. Il y a moyen de s'en sortir. Si tu veux, je vais t'écrire des scénarios. Voilà. C'est comme ça que La Jungle en Folie est née. Mais c'est vrai que c'est une très belle série. Hein. Dans Pif Gadget, en fait. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'on rêve toujours qu'un jour elle fera son grand retour, parce que vous aviez fait un album où vous étiez seul au dessin et au scénario. C'était, il était une fois le Tu Yeti. Et c'est vrai que c'était génial aussi. Oui. C'était une reprise que j'ai faite après le décès de Lynx. Oui. A priori, j'avais l'intention de continuer. Et j'ai continué dans Pif sous la houlette de Cortegiani. Oui. En 2004-2008. Et puis voilà, on peut pas tout faire, etc. Le journal s'est arrêté, etc. Il fallait trouver un autre support. Et c'est vrai que La Jungle en Folie est restée à cette époque-là, en 2008, en attente de quelqu'un qui surgisse du néant et qui dit « Je la veux, je suis disposé à continuer à l'écrire jusqu'à la fin des temps. » Oui. Si quelqu'un me le demande, pour le moment, c'est pas le cas. Et en même temps, je veux dire, vous avez touché tous les styles, parce que vous avez écrit pour moi la plus grande science-fiction en bande dessinée, qui est Les Vagabonds de l'Imbe. Et c'est vrai que c'est impressionnant, parce que on vous connaît dans vos scénarios, et là vous arrivez avec une SF qui est impressionnante. Parce qu'avec Julio Ribera, qui était aussi un grand dessinateur, et vous avez fait quelque chose de super, vous avez fait une fresque, en fait, en science-fiction. Oui. C'était super, bien sûr. Ben. Ah oui, bien sûr. Il y a eu 31 albums de publiés, sur à peu près de 40 ans. Oui. C'est vrai que, bon, c'est un, comment pourrait-on dire, un secteur. Je cherchais un mot qui soit approprié.
courrier de l'édition dans le monde de la bande dessinée. Pour ce qui me concerne, moi je suis, comment pourrait-on dire, je suis aussi heureux à écrire de la science-fiction que du réalisme, que des séries humoristiques. Pour moi, c'est pas le même public, mais c'est le même plaisir pour moi. Et la science-fiction, bien sûr, je suis lecteur de science-fiction depuis que j'ai appris à marcher. Donc, écrire de la science-fiction, c'était pas vraiment un problème. C'était l'une de mes, comment pourrait-on dire, de mes facilités, si je puis dire. L'un des domaines où j'avais le plus d'idées, et quand l'occasion s'est présentée de démarrer le premier volume, j'étais heureux comme un fou, bien sûr, bien entendu. Ça a duré vraiment très longtemps, jusqu'au décès de Julio. C'était aussi un tout grand dessinateur de bande dessinée, c'est impressionnant. Il avait un graphisme qui était de la grande SF. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Je ne suis pas au bout de mes idées, parce que l'idée support qui suit tous les albums du Vagabond, c'est qu'il cherche la femme de ses rêves. De ses rêves. Et que, au fil des albums, il arrive à la conclusion qu'il n'a toujours pas prouvé que celle auquel il avait pensé lui a échappé. Donc, il y a de quoi faire. L'idée est toujours utilisable. Et, je dirais que si l'occasion se présentait de poursuivre, je reprendrai toujours avec le même plaisir la suite des récits potentiels. Jusqu'à présent, l'occasion ne s'est pas présentée. Il y a bien eu quelques questions à droite et à gauche, mais ça n'était pas suffisamment sérieux. Voilà. Et ça, vous avez même travaillé pour le journal Spirou avec Toupet, la série Toupet faite avec Albert Besto, qui était une superbe série aussi. Qui était une famille, c'était très familial, c'était. Ouais, c'est génial. Oui, bien sûr, il y a eu 18 albums. Hein. Oui. C'était magique aussi. C'est hein. Pas mal. Ah oui, on retrouvait le petit garçon, donc le bébé dans l'histoire. On retrouvait aussi bien le chien de la famille. C'est vrai que c'était magique comme série aussi. Oui, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté d'une manière très très bizarre. Je peux difficilement vous la raconter parce que je serais tenté de dire du mal de quelqu'un. Et donc, je préfère pas. Mais bon, oui, c'était bien. Avec Albert, c'était vraiment très, très chouette. Il n'y a pas de doute, il avait tout ça parfaitement en main. C'était bien, c'était parfait, c'était rond, c'était ce qu'avait fait Albert Blasco. Quand ça s'est arrêté,
on faisait un score extrêmement satisfaisant. On avait vendu, quand on s'est arrêté, on avait vendu 600 000 exemplaires francophones. Et c'était vendu dans je ne sais pas combien de pays. Je n'ai pas le nombre en tête. Et donc, ce qui veut dire que on vendait un chiffre extrêmement satisfaisant. Et un jour, on m'a annoncé que ça s'arrêtait. Et Albert Bessot, oui. J'étais tellement surpris. Et avec quoi? Il y a une série qui se vendait bien, on lui dit qu'on l'arrête. Il dit bon, c'est comme ça, je rentre chez moi et je dors. On ne l'a plus jamais revu. C'est vraiment n'importe quoi. C'est un bel exemple de ce qui se passe dans le monde de l'édition. Et s'il vous plaît, c'est l'exemple parfait. Un album qui se vend dans tous les pays, qui se vend en France, et un jour, il y a l'éditeur qui vous paye la bouffée en Belgique, qui vous reçoit à sa table et qui vous lui dit « on arrête ». Bon, alors, j'ai vu pas mal de choses dans le monde de la bande dessinée. Alors maintenant, ça me fait rire, bien sûr. Oui, oui. Sur le coup, ça ne m'a pas fait rire du tout. Mais voilà, oui. C'est une série qui s'est arrêtée alors qu'elle se vendait en donnant toute satisfaction et en faisant partie des séries qui se vendaient le mieux du journal. Et un jour, ils m'ont dit, on l'arrête. Cette histoire-là résume assez bien les aléas qu'on rencontre dans le monde de l'édition. Voilà. Et si on fait un retour en arrière, vous avez même travaillé avec notre ami de Rib. Vous avez fait un superbe scénario. C'est l'homme qui croyait à la Californie, c'est dans les débuts de Rib. C'était beau, hein, c'était un beau western. Il croyait à la Californie. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé travailler avec Dorib? Ça a été un vrai plaisir. Un vrai plaisir, mais il s'agissait de faire juste un album et c'est tout. Est devenu un de ces albums qui sont étudiés, considérés comme album culte. Ah oui, c'est très culte. Cool, ouais. Étudié à l'université dans différents pays. Oui, Dorib, chapeau. Dorib, bonjour Dorib, voilà. Ah oui. Et vous avez même fait une bande dessinée de Mister Magoo. Oui, bon, Mister Magoo, ça c'était publié dans Télé Junior. Je me suis coltiné. Toutes les possibilités possibles d'expression qui m'étaient offertes. Pour moi, ça a toujours été une joie d'écrire, d'imaginer, de passer son temps à se dire je ne dois de compte à rendre à personne. Je vais écrire une histoire, celle-là. Parce que pourquoi elle me plaît, moi, on verra ce qui en sortira. Et j'ai passé ma vie à ça, à faire ce qui me plaisait. Vous vous rendez compte? C'est génial. Vous imaginez un peu ce que ça représente? Quelqu'un qui dit je vais passer ma vie à faire ce que je veux, et qui le fait? Vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup, hein? Ah ben non. C'est une... Surtout en ce moment, surtout à l'époque du coronavirus. Oui, oui. Surtout à ce qui se passe en ce moment
en France et au fait qu'on est confiné et qu'on a peur de sortir. Ce qui est quand même la preuve. Je suis d'un âge. Je suis d'un âge où j'ai connu la France occupée par les Allemands. C'était quand même quelque chose. Eh bien, on n'avait pas peur de sortir de... C'est la première fois que j'ai, de ma vie, que j'ai peur de sortir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, oui, bien sûr, on est tous un peu comme ça, malheureusement. Voilà, j'ai les moyens de comparer. Je ne compare pas les Allemands au coronavirus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Et ma dernière question. Quoi donc ? Qu'est-ce que vous faites en fait de vos jours ? Vous êtes en train de travailler sur un nouveau projet de bande dessinée. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Je fais des aquarelles. Ah, super. Je fais ce que je n'ai jamais eu le temps de faire. Et toute ma vie, j'ai eu envie de faire des aquarelles. Toute ma vie. Et je n'avais pas le temps. Oui. Tantôt, je dessinais mes albums à plein temps. Tantôt, je les écrivais, etc., etc. Là, j'ai pris, enfin, le temps de voir, en quelque sorte, ce que je vaux sur le sujet. C'est un peu tardif, hein. C'est un peu tardif, quand même, je reconnais. Ça va être l'objet de ce qui va s'appeler les escales de Martin Milan. Ah, super. Ce sera une série de grandes aquarelles grand format. Voilà. On se réjouit de voir ça, alors. Vous pouvez en voir quelques-unes sur Instagram. Pour le moment, sur Instagram, sous le nom de Godard BD. La plupart, non, ne sont pas publiés, non, pour le moment. Il y en aura également quelques-unes dans le dossier du tome de Martin Milan, tome 4. Ah, superbe. Voilà. Alors, superbe. Je me réjouis de voir le tome 4 qui va sortir. Bientôt, avec un grand plaisir. C'est ça. Voilà. Alors, merci beaucoup. Oui. Bonne fin de journée. Bonne journée à vous. Merci, bonne au revoir. Journée, merci encore. Merci, au revoir. Au revoir. I will take you far away.